Bonjour. Bonjour, bienvenue à Armendu. Merci. Je vous en prie. Okay. Nous sommes dans le sud Finistère. Je suis en compagnie de Pierre-Yves Rouet, le directeur de l'hôtel Armendu. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre-Yves, l'hôtel Armendu, c'est un emplacement exceptionnel. On est tout seul sur une presqu'île, entre la Veyne et le Belon, et entouré par trois fonds marins différents. Parlons maintenant un petit peu de l'esprit de l'hôtel. Quand on a repris cet hôtel, c'était une pension de famille des années 70, et on a tout transformé dans un style clipper. C'est-à-dire qu'on a voulu en faire un paquebot face à la mer. Parlons justement de vos chambres. Alors donc 14 chambres, toutes avec une vue mer, quelquefois avec une double exposition mer. On a repris chaque tableau de Gauguin et on a utilisé soit les couleurs principales, soit les couleurs complémentaires pour donner le style de la chambre. Il y a aussi ici à l'hôtel Armendu un esprit auquel vous tenez beaucoup. Même si c'est un hôtel, on a envie que les gens soient quelque part accueillis comme s'ils venaient chez des amis éloignés. J'aime les recevoir sur le perron de la maison, j'aime qu'ils aient tout le confort dans une chambre. On sert le petit déjeuner jusqu'à midi, on accepte bien sûr les animaux de compagnie et on a créé depuis 2 ans un espace bien-être et détente. Côté gastronomie, votre restaurant vient d'obtenir une distinction prestigieuse. Ah, on est très très fiers. On trouvait que ce lieu magique, ça devait être aussi un lieu magique pour la restauration. Patrick est un des grands chefs bretons. Il a eu donc 3 fois une étoile, comme il dit. Et on est très fiers de proposer une cuisine bretonne. Quelles sont vos meilleures recommandations pour ceux qui séjourneront chez vous ? Évidemment, la grande chance, c'est le bord de mer. Il y a à peu près 15 km de plage autour de l'hôtel, dont la fameuse plage de Tahiti. Pierre-Yves, je vous remercie infiniment pour votre accueil. Au plaisir de vous accueillir à Armendu très bientôt.